Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de What the Fabric. Cette semaine, on innove. Un nouveau format apparaît pour les news puisque je ne vais pas te parler de ce qui va se passer la semaine prochaine, mais plutôt de ce que tu as manqué cette semaine. Alors, c'est parti pour le récap. Tout d'abord, une grosse annonce, mercredi, nous avons découvert la plateforme Daki. Je t'invite à voir en replay le live sur YouTube puisque Freddy a pu interviewer le fondateur de cette plateforme. Pour t'en dire un petit peu, c'est une plateforme qui te permet de te former de façon ludique et amusante. On vous a mis à disposition un code promo dont vous retrouvez l'adresse juste en bas de votre écran qui vous permettra d'avoir 30% chaque mois pour bénéficier de cette plateforme. Alors surtout, n'hésitez pas. On voulait remercier tous les toucans qui ont soutenu cette semaine la mise en avant du CV de Anthony lors de Une Semaine, Un CV. C'est le rendez-vous de chaque semaine où on met en avant le profil de quelqu'un qui est en recherche d'emploi ou d'alternance. Donc c'est très important que vous nous suiviez là-dessus, c'est ce qui permet de débloquer des situations. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour réitérer la même chose avec un nouveau toucan. Sur le média cette semaine, vous pourrez retrouver différents articles, et notamment deux articles de Sandra. Le premier qui parle de recrutement, et c'est un sujet qui est un petit peu au cœur des problématiques aujourd'hui, et un second sujet qui retrace ce qui a été dit lors du call de mardi dernier, à savoir une discussion autour des juniors. Qu'est-ce qu'un développeur junior? Qu'est-ce qui freine aujourd'hui le recrutement des juniors? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire pour contrer ça? Donc je t'invite à aller sur le média dans lequel tu pourras retrouver ces différents articles et bien d'autres. Et surtout, n'hésite pas à contribuer si tu as des sujets que tu veux partager avec la communauté. Il y a aussi eu un nouveau projet, il s'appelle Challenge e-commerce. Vous pouvez retrouver un channel dédié dans lequel vous pouvez venir participer à ce challenge. À la base, c'est un challenge qui a été lancé sur LinkedIn par une personne qui propose de rémunérer les personnes qui font des projets e-commerce et de mettre en avant des profils compétents. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à rejoindre ce channel où tu pourras retrouver toutes les explications. C'est ouvert à tous pour toutes les technologies et surtout, c'est ouvert aux personnes qui sont en recherche d'emploi parce que l'objectif principal, c'est de mettre en avant des personnes avec leurs projets et de générer de la visibilité et un coup de cœur pour une entreprise. L'instant guimauve de vendredi dernier, c'était Freddy qui nous présentait Sandra. C'est une vraie déclaration d'amour et de travail pour Sandra qui est très impliquée dans la communauté. Donc n'hésite pas à aller voir ce post LinkedIn, à le partager, éventuellement le commenter. En tout cas, ça fait chaud au cœur chaque semaine de retrouver ce petit moment guimauve de la semaine qui fait du bien à tout le monde. Voilà pour ce premier récap. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour faire le bilan de la semaine passée. En attendant, je vous dis à bientôt.